Bonjour, bienvenue sur Scooter et Mecca Petite vidéo sur voiture sans permis. <laughs> Donc, euh, je suis obligé de faire cette vidéo euh, pour vous expliquer euh, un truc, en fait, pour partager un truc. Et ça évitera surtout à d'autres personnes qui ont cette voiture-là d'avoir le même problème que moi, il m'est arrivé. Donc, en fait, euh, je suis en train de réparer une, une Châtenay CH26 là, depuis quelques temps. On a eu le disque de frein. Euh, qu'à lâcher parce que euh, quand il y a eu l'accident il y a une plaquette donc j'étais en train de dire on a eu un problème avec le disque de frein parce que quand la personne elle a eu l'accident si on peut appeler ça un accident je pense que la plaquette de frein elle est descendue euh, elle a été remontée mais pas correctement parce qu'on s'est retrouvé en fait à freiner sur euh, la ferraille donc en fait pour faire simple euh, c'est la ferraille, ils ont, en fait, ils ont monté les deux plaquettes de ce côté-là. Donc, la côté intérieure. Normalement, on le disque, il vient entre deux plaquettes. Et ça a été remonté une, les deux plaquettes au même endroit. Ce qui fait que c'est la ferraille de la plaquette qui a freiné là dessus Donc, bah, comment vous dire que le disque de frein, hein, voilà. C'est une je veux pas. Et il a commencé à péter. Donc, du coup, excusez-moi pour l'éclairage. Du coup, euh, on a commandé. Le gars, je cherche les pièces. On, on regarde un petit peu. Il y avait deux modèles de disque de frein. Euh, au départ, j'avais trouvé que deux modèles. Je commande, je envoie la, au gars le, le lien du disque de frein. Il commande le disque de frein. On reçoit le disque de frein. Problème. Donc le premier, c'est celui-là qu'on a, qu a commandé. Ça, c'est celui d'origine. Déjà, premier souci. Voilà. Le premier souci qu'on a, c'est que le disque, il est plus large. Ce n'est pas le seul souci. Deuxième souci, la hauteur du centre. Il est plus haut. La troisième souci. Le troisième souci. Boulon de frein. Pas de problème. Là c'est du 8. Là c'est du 10. Donc celui-là, c'est le mauvais disque. Du coup, je chope le numéro de série de la voiture. Je commande un, un disque. Deuxième problème, le disque. On a premièrement le premier problème que l'autre, que hein. Donc, regardez. Il est plus large. Là, si je vous les mets à ras, vous voyez. Premier problème. Deuxième problème, la hauteur qui cette fois n'est pas plus haut mais il est moins haut et le troisième problème alors là par contre c'est même encore mieux vous voyez là ça là ça visse vous êtes prêts tout simplement parce que ce disque là se filet par l'arrière alors maintenant on en vient à la conclusion donc en fait, pour faire simple, Châtenay CH26, trois montages différents de disques de frein. Alors, donc, le deuxième que j'ai commandé, il s'appelle le Killing. Le premier qui a été commandé, il porte un autre nom, qui n'est pas marqué sur le site d'ailleurs, merci. Mais en fait, il y a trois montages différents, dont deux montages montés avec le même numéro de série de voitures. Je ne vais pas vous donner le numéro de série complet de la voiture parce que j'ai pas envie, euh, voilà. Mais il y en a un qui finit par 2611, le numéro de série, enfin sur le site internet. Celui qui finit par 2611, c'est celui-là. Et il y en a deux qui finissent par 2610. Et là, les deux, c'est celui-là et celui-là. Or, il y a deux diamètres de disques différents. Les deux premiers que je vous ai montrés qui sont neufs, c'est du 225. Celui d'origine de la voiture, c'est un 2 cm. Mm. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous ne vous basez pas à ce qui est marqué sur le site. Vous démontez votre disque de frein et vous prenez le diamètre, vous mesurez le diamètre, vous mesurez le diamètre des vis, la hauteur, et vous commandez le bon disque. Parce que finalement, on peut pas se baser au numéro de série, puisque sur le numéro de série qu'on a, nous, il y a deux références de disques différents qui changent. Donc voilà, donc merci Châtenay d'avoir fait cette merde. Ma Virgo à côté, il y a qu'un seul modèle de disque. Là, ils en ont fait trois modèles différents. Donc euh, voilà, c'est un peu la merde, donc faites très attention si vous commandez un disque de frein pour Chatney CH26. Donc euh, rebonjour. Euh euh, du coup, pour le disque de frein, euh, j'avais oublié de préciser les différents montages. Il y en a trois montages différents, mais j'ai oublié de vous dire lesquels, en fait. Donc, vous avez le modèle que nous il nous faut pour la voiture, c'est le modèle le montage Coram. Donc, premier montage. Hein. Donc, j'ai réussi à choper les noms, c'est sur euh, Pro VSP. De toute façon, je vous mettrai les liens sur pièces sans permis des, des disques de frein des trois disques. Alors le modèle Coram il est monté sur les numéros de série. Là je peux vous donner des numéros de série parce que c'est ce qu'il y a dans la description des disques de frein. Donc le modèle Coram est monté sur les modèles vm VMSCH 2610 jusqu'au numéro de série VMSCH 2612. Donc ça c'était pour le modèle Coram. Ensuite, le modèle qui a été commandé par le propriétaire de la voiture, euh, c'est le modèle J-MEC, deuxième montage, qui est monté que sur le numéro de série VM SCH2610. Donc, c'est ce numéro de série-là, on l'a sur le premier montage, donc le montage euh, Coram. Le troisième montage, c'est le disque que moi j'ai commandé. Euh, qui est le montage Killing. Donc euh, Killing ou Key Ça dépend si vous le commandez en origine ou quoi. Après, c'est peut-être différent les deux disques. Mais sur pièce sans permis, j'ai trouvé que trois, monta euh, trois disques différents. Mais voilà. Bref. Qui est monté sur le numéro de série VMSCH2610. Donc comme les deux autres jusqu'au numéro euh, VM SCH 2612 donc en fait le disque 1 donc le premier montage et le troisième montage sont montés sur les mêmes numéros de série euh, la différence alors déjà le premier le montage euh, Coram le disque de frein fait 210 mm Déjà vous pouvez le, le différencier là-dessus. Je ne vais pas tout euh, détailler niveau différence parce que ça prendrait trois plombs. Mais basez-vous au diamètre du disque. Déjà pour le modèle Corum, c'est un 210 mm. Ensuite, pour le JMEC, c'est un 225 mm. Hein. Trou fileté. Comme le modèle Corum. Et ensuite pour le Killing, c'est un 225 mm aussi. Par contre. Il n'est pas filté sur la fixation. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande LG Motorsport Racing Mob 11, Gota 11. Euh... Également la chaîne YouTube de mon petit frère, StreamX 2.0. Euh... Et puis, bah, on se dit à une prochaine. Et pour les voitures sans permis, euh, si vous avez des questions, c'est la chaîne YouTube Bruno Devine. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et euh, pour les disques de frein, je penserai à mettre les liens euh, euh, en description. Si jamais euh, vous tombez sur cette vidéo, vous, vous allez dans la description, vous voyez qu'il n'y a pas les liens, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je les mettrai aussitôt. C'est parce que là, j'ai beaucoup de vidéos à monter. J'ai 9 vidéos à monter. Donc je peux oublier, c'est pas interdit, ça peut arriver. Voilà. à écouter, à une prochaine.